yes. Tu as reconnu l'écran, tu as reconnu l'élément. Billy Billy, a.k.a. Coco Bello. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Qu'on parle un peu.
Yes, tac, 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 on est là. Yes, tu as reconnu l'élément, tu as reconnu l'écran. Est-ce qu'on m'entend? Mettez le cœur si vous m'entendez, partagez le direct. Voilà, je l'ai annoncé tout à l'heure sur ma page. J'ai dit que d'abord bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Vous êtes où? Du pays aussi. Voilà. Voilà, j'ai dit tout à l'heure que voilà, j'allais m'exprimer sur tout ce qui se raconte. Parce que je suis au cœur un peu en griffe. Voilà, des petits débats bizarres. Donc j'ai voulu m'exprimer comme tout citoyen libre, quoi. Donc partagez le direct parce qu'il y a des choses qui seront dites. Voilà. Donc partagez le direct. Partagez dans les groupes. On va parler de rap, on va parler de notre mouvement. Voilà. Est-ce qu'on m'entend? Mettez le cœur, dites on t'entend bien. Si vous m'entendez pas, dites tu vas augmenter. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que tout est propre? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Pas besoin de biper, qui est droit, moi, biper ou pas biper, bon. En tout cas, que chacun prenne son tabouret, hein. Voilà. Voilà, est-ce qu'on m'entend bien? Voilà, si vous m'entendez bien, mettez aolé, c'est le mot de passe. Mettez aolé, on entend bien. Si vous m'entendez bien, vous mettez aolé. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que c'est zo? Est-ce que c'est propre? Partagez le direct. Partagez le direct. On va parler un peu. On va parler de notre mouvement. Ceux qui aiment le rap ivoirien, ceux qui aiment le rap ivoirien, ceux qui aiment aujourd'hui ce que nous faisons. Voilà, aujourd'hui qui est en train de monter, ceux qui apprécient bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Mettez aolé, c'est le mot de passe. Il n'y a pas autre réponse. C'est aolé, on l'entend. Aolé. C'est ça qui est le mot de passe. Est-ce qu'on m'entend? Ok, on m'entend bien. Est-ce qu'on me voit bien? Aolé, on te voit bien. Ben voilà. Je ne sais pas dans quel pays est-ce que vous me suivez. En Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, je vois les pays. Mettez les drapeaux. Pour me dire dans quel pays est-ce que vous me suivez. Depuis quel pays? J'ai vu la France. Bien évidemment, j'ai vu le Burkina. Voilà. Voilà. De quel pays est-ce que vous me suivez? De quel pays est-ce que vous me recevez? Partagez le direct dans le groupe. Partagez, taguez qui est droit, taguez qui est droit. Voilà. Vous m'entendez d'où? Vous me suivez d'où? C'est quel pays? Mettez les drapeaux. C'est quel pays? J'ai vu le Tchad. Ouais. Voilà. Je vois la Guinée. Vous me suivez d'où? Vous me suivez d'où? Ouais. Toujours la France. Ouais. Je vois l'Italie. Vous me suivez de quel pays? Mettez le drapeau. Voilà. Dans le nord du Mali, ok, merci. Depuis la Tunisie, mettez le drapeau. Voilà. Depuis la Tunisie. Voilà. Depuis la Côte d'Ivoire, ça c'est sûr. Voilà. On me suit. Ok. On peut commencer, on attend un peu. Dites-moi, on commence ou on attend un peu? Et je pense que dans le combat à l'africain, il faudrait y mettre ce qui est amour. Dieu est amour. Dites-moi, on commence ou on attend un peu? On démarre là, on peut démarrer ou on attend encore? On peut démarrer? Ouais, depuis Bamako, merci. La Guinée, ouais, Côte d'Ivoire, ok. Centrafrique, merci. Taguez tout le boy, taguez les boy. Voilà. Depuis la Turquie, c'est le Maroc. Je ne rappelle pas. Non, c'est le Maroc. Ouais. Voilà. Ok. Tu m'appelles après, il n'y a pas de souci. Voilà. On peut démarrer. Faites monter le mercure. Partagez dans tous les directs. Partagez. Les fans de MC One, les fans de Hello, les fans de Black M, les fans du rap ivoire. Partagez un peu. On va parler autour de ce freestyle-là. Voilà. Parce que, il y a beaucoup de choses. Les gens prennent des raccourcis souvent.
pour dire tout et n'importe quoi. Pour dire tout et n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut recadrer un peu les choses. Faut recentrer le débat. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent, qui sont pas souvent vraies. Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien? Le son est bon ou de monter encore la voix? Mettez à ouler, on t'entend bien. C'est le mot de passe. Partagez le direct, partagez le direct. Voilà, vous mettez à ouler. Si on m'entend bien. Depuis le Niger, ok, c'est cool. Yes. On m'entend depuis le Niger, Sénégal, ok, c'est cool. Ben c'est bon. C'est bon, on m'entend ou pas? On m'entend? Ou démonter un peu la voix. Ok. Bonjour les patriotes. C'est comme ça que j'appelle mes followers, les patriotes, mes leaders. En tout cas, shalom chez vous. Voilà, je vais aller droit au but. Je vais vraiment aller droit au but. Partagez le direct, partagez le direct. J'ai voulu m'exprimer par rapport, je disais tantôt, à ce fameux freestyle. Voilà, à ce fameux freestyle que nous venons de voir. Voilà, qui s'est passé hier dans les locaux de Trace FM. Il y a eu le frangin Black M. Il y a eu le Black M pour la France et puis nos différents frangins d'ici et Lone et MC One. Voilà, je vais dire frangin pour garder le respect. Voilà, donc ces trois MC ont été invités, bon, dans une émission. Et c'est parti, bien évidemment, un kicking. Donc il y a eu des freestyles, il y a eu vraiment beaucoup d'émotions, c'était chaud. En tout cas, en tout cas, chacun a pris plaisir, quoi. Chacun a pris plaisir, chacun a regardé. Et Billy, comme tout le monde a regardé, comme tout citoyen, j'ai regardé. Et après, j'ai vu des commentaires. Voilà, j'ai vu que tout le monde en parlait. Il y avait beaucoup de commentaires, il y avait beaucoup de choses qui se disaient sur ce là. J'ai plus le Nigérian, monsieur, merci. Voilà, donc qui se disaient sur ce direct-là, sur ce freestyle de ces trois rappeurs. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait des méchancetés qui se racontaient, beaucoup de choses. Et j'ai eu le désir d'en parler. Franchement. Vraiment en parler, dis ce que je pense concernant tout ça. Donc j'ai juste mis un post pour dire, voilà. Pour dire que c'est pas parce que tout ce qui est freestyle, tout ce qui est freestyle là, c'est une discipline. Hein? C'est une discipline. Quand on parle de freestyle, c'est une discipline. C'est dans tous les domaines. Donc j'ai même dit que c'est un peu comme le slam, c'est un peu même comme l'a cappella, on dit qu'il est reconnu comme une discipline du rap. Oui, l'a cappella. Allez, là, vous allez voir. Voilà. Donc j'ai juste signifié ça. Donc, j'ai vu des gens qui ont très vite pris des raccourcis en disant parce que quelqu'un est, en disant parce que tel est fort en freestyle, il est le meilleur, il est ceci. Moi, le meilleur, il est pas ceci. Excusez-moi, je vais toujours en parler quand je peux parce que ça me fatigue. Voilà, ça me fatigue. Moi, d'abord même, j'estime que nous-mêmes là, c'est vrai qu'aujourd'hui le hip-hop a pris, mais on est en train de faire gérer la chose d'une manière, ça risque de quitter dans l'autre main. Voilà. Donc, j'ai moi des gens qui commencent à, voilà. Voilà, non, c'est le meilleur, t'as vu les pistes, c'était comme ça, c'était ceci, moi, j'ai, non. Les gens commencent à m'insulter, j'ai pas de commentaires méchants, que non, que moi, j'avais dit quoi. Les gens ont eu l'impression que j'ai voulu, je sais pas, ne pas apprécier, que non, faut apprécier le petit, il a fait un freestyle pour l'apprécier, que vous n'avez pas apprécié. Mais moi, la question que je vous pose, vous voulez que j'apprécie le freestyle de MC One? Et je fais quoi? J'applaudis aussi les injures à l'endroit de choses, c'est ça? De Elon. Parce que Elon aurait dû être lynché sur la toile parce qu'il a fait. Il n'a pas. Moi, j'ai vu plutôt quelqu'un. Tu sais, chacun peut l'interpréter comme il veut. Moi, j'ai déjà, pour commencer d'emblée, il est important que je vous dise. Moi, je ne connais pas Elon. Elon, là, je ne le connais pas. MC One, je ne les ai jamais vus. Quand moi, j'étais là-bas, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer. On ne s'est jamais parlé. Je n'ai pas le numéro de téléphone. On n'est pas en contact. Donc, je ne viens pas sur la toile pour défendre quelqu'un. Je ne viens pas sur la toile pour. Encenser quelqu'un. Voilà, mon poste là, je l'ai fait parce que j'ai eu
le désir, ce fardeau-là de faire ce poste-là. Parce que parce que dans ce mouvement, il y a beaucoup qui sont les Gawa. Il y a beaucoup qui sont les Gawa. Pour ne pas dire ignorants, il y a beaucoup qui sont les Gawa, tu vois. Et qui font que les artistes, qui mettent les artistes en parole, qui mettent de l'huile sur le feu, qui disent beaucoup de méchanceté sur certains artistes. C'est pourquoi je dis freestyle, c'est pourquoi je vais vous expliquer que freestyle c'est une discipline. Moi j'ai vu plutôt quelqu'un qui n'était pas intéressé par le freestyle, il a juste fait un petit refrain et puis une autre chose. Mais les gens ont vu, non, c'est vous, dites-moi des méchancetés. Je ne suis pas venu, je précise, je ne suis pas venu pour défendre. Je ne les connais pas, je ne les connais pas les deux. Je ne les connais pas. Même les trois blancs, je ne les connais pas. Voilà. Je dis juste ce que je pense. J'ai dit le freestyle, c'est une discipline comme tout autre. Donc ça fait plaisir aux gens qui aiment le freestyle. Voilà. Maintenant, derrière mon poste, qu'est-ce que moi je voulais encore, sur lequel je voulais insister? Je voulais encourager les rappeurs à ne pas rester sur des freestyles. Encourager mes frères, les plus jeunes, comme les plus grands, en tout cas, peu importe, à ne pas rester sur des freestyles. Parce que c'est pas sur ce terrain que les Ivoiriens nous attendent, c'est pas sur ce terrain que les Africains nous attendent. Aujourd'hui, le hip-hop ivoirien est à de la côte. À de la côte, certes. Mais on n'a pas encore, on n'a pas encore impacté vraiment. Pourquoi? Parce que moi je pense que ce pourquoi les Ivoiriens nous attendent, on n'a pas encore fait ça. C'est ça qui est la vérité. On n'a pas encore fait ça. On a dans les freestyles, on encourage. Freestyle, c'est une discipline comme tout. C'est pas parce que quelqu'un fait des freestyles qu'il est forcément le plus fort que tout. Freestyle, c'est un peu comme dans le football. Il y a des freestyles dans le football. Il y a des gens qui savent jongler. Tu le vois qu'il peut jongler à sa langue. Mais quand on est sur le terrain, il ne peut pas jouer à Drogba. Je ne sais pas si vous comprenez. Il va finir de jongler. Il y a un petit qui connaît, qui est un grand. Qui tu connais, un de mes petits, Zéba Sakara. Qui est un grand freestyler. À partir du football. Mais c'est pas un footballeur. Voilà. Mais on ne le met pas. Tu l'as vu jouer dans l'éléphant. C'est pas la même chose. Parce que tout ce qui est freestyle là, c'est passager. Tout ce qui est freestyle, c'est éphémère. Voilà. Donc moi, je voulais encourager. Je voulais dénoncer le fait que vous donnez trop d'importance à des freestyles. À des freestyles. Parce que moi, j'ai vu un Elon qui est assis devant chose, qui n'était pas intéressé même par la chose. Il a juste fait un petit refrain, puis bon, voilà. Même chose, même n'était pas, même Black M, même n'était pas, voilà. Voilà. Limite quoi, c'est un petit truc, il voulait chose. C'est que tu l'as vu, vraiment le petit kicker, notre MC One National, en train de choses, voilà. Vraiment surexcité, c'est comme ça, il a dit, ah, il a commencé à prendre la chose au sérieux. Tu comprends? Bon, MC One, il aime bien ça. C'est son truc, c'est son style, c'est son délire. On respecte. Voilà. Mais moi, ce pourquoi j'ai pris la parole, j'ai dit, c'est à cause des méchancetés que les gens racontaient sur Internet. Parce que, après le freestyle, parce que tel a fait un bon freestyle et l'autre n'a pas voulu, ça va m'être intéressé. Les gens ont commencé à le lâcher, insulter. J'ai dit non. Pas pour le défendre, je le répète. Mais pour faire comprendre aux gens que. Être freestyle, il y a des gens qui ne s'intéressent pas. Mon ami, il y a les cyniques, les grands freestylers en Côte d'Ivoire et en France. Les Sifu, il y a plein de personnes, les gars, qui sont les grands freestylers. Mais c'est Booba qui contrôle le game. C'est pas parce que quelqu'un ne s'est pas fait freestyle que. Il voit quelqu'un n'est pas intéressé par un freestyle qu'il est forcément nul. C'est pas tout le monde qui aime les freestyles. Et puis, c'est quel freestyle? Les freestyles, tu dois copier ton texte, tu viens réciter ça sur un beat. Non! Les vrais freestyles, les freestyles même là, tu appuies comme bouton, autant dans le métier, tu appuies comme bouton, ça sort comme ça sort. Il n'avait pas besoin de répéter. C'est de l'impro du début qu'elle a fait. Et ça, MC One, il est très fort dedans. Mais c'est son style. Vous comprenez? C'est son style, mais ça ne fait pas de lui. Ça ne fait pas de lui ou de l'autre. Moins rappeur ou lui plus rappeur. Non, moi je dis non. C'est ce que moi je vous dis non, que ça n'a rien à voir. Les freestyles, c'est comme pour les footballeurs, les jongleurs qui jonglent. C'est un peu comme pour les zouglements, ceux qui font woyo, quand tu t'en manges d'autres là, ceux qui viennent chanter, qui peuvent improviser, prendre ton nom pour faire ceci. Ils font les freestyles. Mais quand on rentre en studio, ils peuvent pas chanter Eric Patron. C'est ça qui est la vérité. Quand on rentre en studio là. Donc moi, dans le poste, je voulais encourager, je voulais, après me faire un direct, pour encourager les gens. J'ai dit, les Ivoiriens nous attendent sur d'autres terrains. Les Ivoiriens, ils nous attendent sur d'autres terrains. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, tout ce qui est freestyle là, ça met l'ambiance, c'est pourquoi ça crée l'adrénaline, les gens sont debout, les gens sont chauds, ça crie wow, 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 mais après on retient quoi? T'as retenu quoi? Hier là, ce qui s'est passé, t'as retenu quoi? Hier là, freestyle ils ont fait, t'as retenu quoi? Rien. T'as retenu que des freestyles, que des gens qui ont rappé, c'est tout. C'est ça un freestyle, et freestyle on retient rien. Voilà, je ramène encore au football. Un gars qui jongle, un gars qui dribble, qui peut dribbler tout un terrain, on ne retient rien. C'est celui qui marque le but. C'est pour lui qu'on retient.
Donc les Ivoiriens nous attendent sur d'autres terrains. Moi, c'est de ça que je suis venu parler. Moi, c'était pas pour censer ou pour insulter quelqu'un, mais les gens commencent à... Non, moi, vous savez, vous avez un problème. Il suffit que quelqu'un dise quelque chose. Non, tu es aigri. Non, il est aigri comme il ne mousse plus, comme il est ceci. Je vais être aigri des MC Walou, des Elolou, je ne sais pas les qui. À cause de quoi? À cause de quoi? Non, tu es aigri. Donc tu dis quelque chose, non, il ne mousse plus, comme il ne mousse plus. Oh là là. Réveillez-vous de votre sommeil, frère. Réveillez-vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis ici. Voilà, je ne suis pas vraiment l'activité comme chose, mais je vais rentrer. On dit, vous avez eu la chance, vous avez Internet, mon cher, les petits ont Internet, ils ont la possibilité de faire des collections, tout va vite un peu. Par rapport à nous, sans Internet, tu vois, on a pu imposer nos mouvements. Tu comprends? On a pu imposer notre mouvement. Jusqu'aujourd'hui, tu me dis, je me dis, jusqu'à présent, il y a pas, tu ne peux pas parler de l'histoire de l'ivoirienne, l'histoire de la musique ivoirienne, sans parler de Billy Billy, ce n'est pas possible. Parce que c'est une marque déposée en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un débat. Tout ce qu'ils font comme rap, c'est à l'image de ce que Billy Billy a fait, de ce que Gaba Sikata a fait, de ce que tout ce qu'on a tracé comme chose. Voilà, après chacun voyait son petit grain de sel. Donc, à quoi c'est maintenant? Au contraire, je suis content, je suis fier. Mais n'empêche que s'il y a quelque chose à dire, pourquoi vous ne voulez pas que les gens s'expriment? Vous voyez les grains partout. Vous voyez des gens qui sont jaloux partout. Non, personne n'est jaloux de qui que ce soit. Non. Les freestyles ne nous mèneront nulle part. Aujourd'hui, combien de rappeurs font des scènes, font vraiment des concerts, à part le concert de tel, de KS Blue, que le dernier rappeur chante en même temps, mon cher. Voilà. Il faut qu'on arrive à après les palais de la culture, après atteindre des stades, à remplir des stades, il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Il faut qu'on les rappe. Mais on va rester dans le temps. Tous ceux qui font freestyle, tu vois comme un artiste underground. Quand tu fais freestyle, tu vois comme un artiste underground. Parce que freestyle, c'est le chemin par lequel tous les rappeurs sont passés. En tout cas, c'est par là que tu as pas quelques ex qui sont rentrés directement au studio. Sinon, on est tous passés par la rue. Tu vois? Par la rue. Par des clashs entre nous au quartier. Mais sauf que nous avions un choix. Nous, à notre temps, quand nous faisions les clashs, nous, avant, nous, en tout cas, moi, j'étais plus dans le texte. Donc, moi, nous, j'étais plus dans beaucoup de textes. Ça veut dire que moi, j'écris mieux que toi. Ça veut dire que quand tu aimes un texte, on t'applaudit parce que lui, son texte, ça fait pitié, ça fait. Nous, on était plus comme ça. Moi, en tout cas, moi, dans mon boy, c'était plus comme ça. C'était l'étiquette qu'on avait collée. Donc, pour dire quoi? C'est vraiment le chemin par lequel tout le monde est passé, le chemin des freestyles. Mais après, quand tu deviens artiste, ce n'est plus le même discours qu'il faut tenir. Voilà l'intention de ma vidéo. Voilà l'intention de mon poste. Et moi, les gens commencent à s'agripper, à ceci, à insulter. Il est jaloux, il est ceci, il est cela. Je crois que les hommes de Tupac, Tupac reste le monument. Oui, tu vas parler de Eminem, de plein de personnes, mais Tupac, il reste le monument. Ça te plaît, ça te plaît pas, c'est comme ça. Donc, les freestyles, ça ne nous mènera nulle part. Voilà. Donc, arrêtez de faire des freestyles comme si tu ne peux pas juger un artiste sur un freestyle. Voilà. Donc, j'étais un peu intrigué, tu vois, par les méchancetés qu'on disait de Elon, juste parce qu'il n'a pas sur des freestyles ou bien, il n'a pas, je sais pas moi. Frère, freestyle, c'est rien. Après, en studio, il faut déposer des hits qui vont durer sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Maintenant, si vous voyez que maintenant pour revenir, il y a quelqu'un qui me pose la question que non, moi j'ai mis un post ironique sur la publication du MC One. Oui, j'ai mis un post ironique sur la publication du MC One parce que MC One a mis un post ironique sur ma publication. Il a mis un post ironique sur ma publication. C'est pourquoi moi j'ai fait pareil. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas, il a mis en bas de ma publication. Il a mis mon vieux. Moi, je savais pas où tu étais rentré, même. En tout cas, avant ton truc, là, ton Dagou et Gio, là. Voilà. C'était vraiment trop chic. Viens, ça encore. Et puis, il a mis Gua en riant. Moi, j'ai rien dit. Moi, si je suis parti mettre en bas de son poste, que moi-même, il sait pas d'où est-ce que toi-même t'es sorti. Comme lui, il sait pas où est-ce que moi je suis rentré. Moi-même, là, je sais pas où est-ce que toi-même t'es sorti. Donc, ton Arabi Djoula, là. Allah, c'est il sait pas quoi, là. Voilà, la prochaine fois, il faut faire ça devant Black M. Parce que tu as commencé à pomper son style. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Tu as commencé à pomper son style parce que tu as commencé à faire carrément comme chose, voilà. Tu as commencé à rapper carrément comme lui. Que la prochaine fois, il faut changer, faire ton R&B Djula. Et puis, il y a aussi un mi-gaga. Voilà. Donc, c'est carrément la rhétorique de lui, son poste.
Parce que regardez, il a mis son poste, il a posté avant pour moi. Voilà, avant pour moi. C'est vrai que mon équipe de communication avait mis bravo, mon chien l'avait félicité parce qu'il n'avait pas encore vu ce poste. Après moi, quand j'ai fini de faire ce que j'avais à faire, quand j'ai vu le poste, moi j'ai dit non, je ne vais pas laisser comme ça. Donc moi, le petit aussi, voilà, j'ai répondu à la hauteur de ce qu'il a répondu. J'ai répondu à la hauteur de sa réponse, voilà. Vous comprenez? C'est pas pour faire des clashs, pour faire des clashs, mais je pense que aujourd'hui nous sommes dans un mouvement. Il y a des gens qui me disent que l'autre est le doyen, laisse ça, tu t'occupes pas, c'est les petits. Non, c'est notre mouvement. Quand tu vas sur ma, tu dis que je suis le doyen, ma pièce d'identité là, c'est écrit artiste. Ce qui me fait vivre là, c'est ça qui me fait vivre, c'est ça. Donc, on parle de notre mouvement. Un policier parle dans l'affaire de la police, de l'homme parle dans l'affaire des ballons, Billy Billy parle dans l'affaire de la musique, du rap. Voilà, parce que c'est ce que je suis l'un des précurseurs de ce mouvement. Donc, je parle. Si j'ai quelque chose à dire, je viens dire ce que j'ai à dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Si j'ai quelque chose à dire, je viens m'exprimer. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec chose. Non, c'est de l'aigreur, c'est de l'aigre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment différent. Voilà, donc c'est carrément la réplique de ce que j'ai vu. Vous comprenez ce que je me dis, de ce que j'ai vu sur le poste. Donc, je tenais vraiment à vous faire comprendre. Hey, moi, désormais, mon ami, moi, désormais, je sais pas si vous avez suivi la dernière fois mon direct. La prochaine fois, quelqu'un qui va me essayer de me manquer de respect ou essayer de faire quoi que ce soit, de dire des choses pas vraies sur moi, mon frère, moi, je vais prendre mon téléphone. Je vais prendre mon téléphone, je vais répondre. Voilà. Ceux qui pensent que ça s'appelle de l'aigreur, ceux qui pensent que ça s'appelle de tomber dans la boue, ne pas se faire respecter, ça c'est vous qui voyez. Voilà. On parle de notre mouvement rap. Joe, freestyle là, ça l'amène nulle part. C'est ce que je dis. Voilà. C'est ce que je voulais dire dans mon poste. En gros, freestyle ça ne nous mène nulle part. Les freestyles, tu fais, les gens écrivent. Ok, après là, il faut composer des hits qui vont rester dans le temps. Voilà. Je le disais même pas pour MC One seul, je le disais en général. Parce qu'il y a plein, il n'y a pas que MC One qui est fort en freestyle, il y a Jojo le Barbu qui est fort en freestyle, il y a Defty qui est fort en freestyle, mon cher. Mais après freestyle, ok, il n'y a pas de problème, c'est bon, ça fait trop underground, ça fait sans système. Mais après, quand on revient sur la scène, dans le show, dans le game même là, Joe, il y a des choses que le public demande, il y a des choses qu'il faut tâche du qui reste dans le temps, il faut maintenant faire de la musique. Vous comprenez ce que je veux dire? Même tous les rappeurs, même que vous avez vu là, même Black M, tu penses qu'ils n'ont pas connu des moments où ils ont fait des freestyle. Mais arrivé un moment, ils ont compris que Joe, sois maintenant sérieux. Voilà, moi c'est ça que moi je parlais. Donc je n'ai rien contre MC One, je n'ai rien contre les choses. Et je ne suis pas venu aussi défendre Elot parce que Elot, c'est mon pote, je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais vu. Voilà, je ne l'ai jamais parlé avec lui, je n'ai pas son numéro, j'ai aucun contre. Je n'ai jamais entendu sa voix là, mon numéro. Voilà, à part musicalement. Donc, je ne sais même pas, je ne connais ni d'Adam, ni les deux, mais j'ai voulu dire ce que je pense. Frère, les freestyles, c'est une discipline du rap aussi. Comme l'acapella, comme le slam, comme les clashs, comme tout ce que vous pouvez imaginer, c'est une discipline à part entière. Il y en a qui aiment ça. Maintenant, si tu es fort dedans, tu es fort pour ton public qui aime ça. Voilà, mais ça ne fait pas de toi chose. Donc, arrêtez d'insulter les autres parce que tellement, moi, tu as voulu faire freestyle, peut-être que je suis content, il y a une, deux phrases, mais je suis pas, j'aime pas ça, freestyle, mon cher. Moi, j'ai un problème. Moi, chacune de mes chansons, écoutez mes chansons, chaque phrase a un sens. Chaque phrase dénonce un problème. Moi, je suis plus préoccupé par l'éveil de conscience, par ce que j'écris, par le fond de ce que j'écris, que par la forme que tu as utilisée, la tournure, mon cher. Je vous pose la question. Freestyle est fini hier. Freestyle, vous parlez de ça. Dites-moi, vous avez retenu quoi dans le freestyle? Rien. C'est juste un freestyle, les gens ont rappé, ils ont rappé sur des beats, c'est tout. Après, vous venez, non, c'est le gars, c'est ceci, l'autre, c'est le ceci, l'autre, c'est le gars, c'est le daddy, l'autre, c'est... Oh. C'est pas tout le monde qui aime freestyle, il y en a qui n'aiment pas freestyle. Il y a des joueurs qui ne savent pas trop jongler, mais qui les mettent sur le terrain, ils vont tuer. Il y a des joueurs qui ne savent pas trop dribbler. Je les mets toujours au football, pas dans le football aussi, il y a des freestylers. Voilà, il y a des joueurs qui ne savent pas dribbler, qui ne savent pas faire, mais qui ne sont pas extraordinaires, mais ils sont concrets devant les buts. Voilà, donc ce n'est pas parce que quelqu'un ne fait pas ça, ça veut dire que lui, il est moins artiste que l'autre, non. Il faut vous réveiller, il y a trop de gawa dans le mouvement, et qui poussent les gens à les mettre en palabre, qui sont toujours en train de envenimer le mouvement, qui sont toujours en train de mettre la haine, et puis surtout en train de blaguer beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, l'autre, tu es le meilleur, tu as mis sa punchline. Il y a des gens qui ont les punchlines même là. Non, mon cher, je ne sais même pas quelles sont. Je n'ai pas mis de dire les trucs pour. Ils vont dire non, j'ai voulu clasher telle personne. Il y a des punchlines inutiles. Il y a des punchlines qui sont inutiles. Il y a les punchlines là. C'est inutile en fait.
Ça ne sert à rien. Ouais, t'as vu sa pêche, il a dit ceci, machin. L'immeuble est fait ceci, machin. Quand ça ne veut rien dire. Tu vois, le gars, il s'est décacassé pour dire des bêtises, en fait. Est-ce que, arrivé un moment, le rap ivoirien n'a pas besoin de ça? Le rap ivoirien, ça arrive à un certain niveau où Joshua ne fait pas d'une manière ça qui était dans notre main. Oui, aujourd'hui, les Européens ont reconnu notre force de frappe. Aujourd'hui, le rap ivoirien est reconnu. Les gens viennent de partout pour investir, pour vraiment faire des collaborations avec nous. Moi, je pense qu'on doit saisir l'occasion pour faire des choses bien. Pour faire des choses bien. Même le coupé de calme, ça fait des futurs des rappeurs. Voilà. Mais côté ambiance, on ne peut pas mettre mieux l'ambiance que le coupé de Calais. Parce que eux, c'est l'essence de leur musique. Mais nous, là, c'est l'écriture. Nous, là, c'est l'écriture. Alors là, l'histoire du rap. Le rap est né dans une situation de contestation. De contestation. Voilà. Donc, revenons à l'écriture. Moi, c'est ce que je voulais dire dans mon poste. Je dis, ah, freestyle, c'est bon. Mais c'est pas qu'on est freestyle, vous avez commencé à trouver que, et là, l'ivoirien, il est nul, il est ceci. Non, ah, champion. L'artiste de qui vous parlez, il a un bel historique aussi derrière lui. Voilà, donc c'est pas pour un freestyle, tu as trouvé que l'autre est ceci. Je suis pas en train de dire aussi que non, c'est pas pour ça que MC Moi, c'était moi artiste. Non, MC Moi, c'est un je suis pas en train de faire l'équilibriste. Je suis en train de dire ce pourquoi j'ai écrit mon poste. Sinon, je m'en bats les steaks. Voilà, je suis pas en train de faire l'équilibriste. Voilà, on n'est pas amis, je cherche même pas, je cherche pas quelque chose, non. Voilà, si on est amis aussi, c'est bon. Voilà, c'est bien de la vie quand Dieu met des amis sur ta tête. Je suis pas en train de réunir ce, mais je suis en train de me faire comprendre que je suis pas venu pour faire l'équilibriste. Je suis venu juste dire ce pourquoi j'ai écrit mon poste. Et puis j'ai vu les gens partout, comment ça, ils mettent, il y a des gens qui insultent, vous savez, il y a des gens qui disent sur Internet. Souvent, parlez de leur profil. Avant de répondre là-bas de leur profil, va regarder leurs photos. Tu vas voir que c'est des gens qui ont un mal-être. Ça sert à rien de répondre. Tu parles des personnes intelligentes, des personnes qui ont un mal-être et qui expriment leur mal-être à travers la haine qu'ils déversent sur Internet, à travers la méchanceté qu'ils expriment sur Internet. Tu réponds à personne, en fait. Donc, j'ai vu qu'il fallait pas répondre, mais en même temps aussi, il était important de faire cette vidéo pour éclaircir les choses. Voilà. Je ne suis pas venu, je suis pas un clasheur, non. Lui, je vais me faire remarquer par les clashs. Bon, tant mieux si j'ai quelque chose à dire que ça tangue vers des clashs. Mais en tout cas, ça va pas m'empêcher de dire ce que je veux dire. Voilà. Je dis ce que je pense. Voilà. Et ce que je pense, c'est que les freestyles, arrêtez d'insulter telle personne, parce que non, insulter, non, machin, que non, il vaut rien, il est nul, il est ceci, parce qu'il n'a pas fait les freestyles. Toi qui fais un freestyle. Et puis, il va mettre des amis artistes, des collègues artistes même, qui vont insulter leurs amis. Il va juger le babu qui fait un poste pour traiter son ami de nul. Il sait pas ce qu'ils ont entre eux, mais c'est pas les trucs qui sont bien. Tu vois, c'est pas les trucs, c'est pas sage. Tu vois, c'est pas bien. C'est vrai, peut-être que toi, t'es fort dans les freestyles. Ouais, ok, tu es fort dans les freestyles. D'après les Ivoiriens, freestyle, oui. Tu es fort dans le freestyle. Bon, tu es fort dans le freestyle. Tu as fait freestyle, oui. Ton freestyle est dangereux, oui. Tu rapes vite, tu parles vite, oui, ok. Tu parles vite, et puis quoi? Oui, tu parles vite, oui, faut parler vite. Tu parles vite, mais n'importe quoi, hein. Bon, tu parles vite, tu rapes vite, et puis quoi? Tu vois, arrive un moment, grandissons. Moi, je suis pas d'accord des collègues qui rentrent dedans, qui vont insulter les amis, mon chef, chose. Non. Voilà. On a reçu un étranger, on l'a bien reçu. Quel est le commentaire comme ça? Vous pensez que ça honore le rap ivoirien? Vous pensez que ça honore le rap ivoirien? En tout cas, vous êtes en train de vous insulter. Ah, Poujou, on est quoi, petit, ça va? En tout cas, force à toi pour ton événement. Tu vois? Est-ce que ça honore le rap ivoirien? C'est de ça qu'on parle. Vous insultez, vous venez, parce que c'est si, machin, non. Moi, tu as fait tes freestyles, moi, tu fais tes freestyles, tes jeux de mots, tu fais, moi, ça ne m'impressionne pas. Je peux rigoler, oui, c'est bon, la technique, parce que ça dure pour les gars, mais vraiment, dis que ça me fait, non. Moi, je suis dans le fond. Moi, je suis dans le fond, frère. Nous, on est de la génération FC Sola, nous, c'est Tupac, nous, c'est Kerry James, nous, c'est Nas Escobar, nous, c'est l'écriture, frère. Jojo, tu n'écris rien, tu m'impressionnes pas, champion. Franchement. Pour enclencher tes millions, pour faire tous tes trucs, les gens n'ont qu'à crier, tu m'impressionnes pas. Moi, c'est l'écriture, champion. Moi, c'est l'écriture. Tu vois? Donc, je n'ai aucun problème avec MC Moi, je n'ai aucun problème avec les rappeurs ivoiriens, je n'ai aucun problème. Mais il est important que le rap, là, on n'a qu'à le ramener à son essence. Voilà. Le hip-hop ivoirien est en train de prendre, arrêtez vos bêtises. Voilà. Je vais vous parler comme je sens. Arrêtez vos trucs là. Arrêtez vos trucs de freestyle, machin, il est le meilleur, il est le goth, machin, ouais, c'est rien, suite. Tu vois, même sur Instagram, les enfants, c'est que de la grossièreté. C'est que de la grossièreté. Puis, scoop du rap, vous êtes des médias, souvent, en fait, des tri.
Les hommes, ils ne parlent que du sexe, machin. La dernière fois, moi-même, je vois l'animatrice Annie France qui aime se jouer le go, tu critiques. La dernière fois, je vois Josué le Babu en train de faire freestyle, il parle de chasse, il parle de chasse. Elle n'avait pas gêné. Parce que même les médias en sont ça. Aujourd'hui, on est dans la bordellerie musicale. Voilà. J'ai pas de mes couleurs à peur. Je dis des noms, je n'ai pas peur. Pas pour frustrer, pas pour faire les clashs, mais je veux ramener. Revenons à la base. Tu vois, revenons à la base. Et puis, freestyle, ça tue ton inspiration. Faut remarquer, la plupart des gens qui aiment faire freestyle, là, remarquez, quand ils essaient d'écrire des textes, trucs, machin, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils font n'importe quoi. Ils sont rares, ceux qui arrivent vraiment à choses. Parce que c'est leur style, c'est leur truc. Voilà. Bah, freestyle, ça te met dans l'amusement. Tu ne réfléchis pas trop. Tu fais le couper, couler, tu mets comme ça, tu fais choses, machin, tu veux, non seulement je suis le plus fort, machin, tu as été distrait toi-même. Tu es en guerre avec toi-même, tu es en guerre avec qui? Non, frère. Faut arrêter. Donc, les histoires de traiter Elon de Vaurien, parce qu'il n'a pas. Mon cher, lui, il va faire quoi ça? Il va faire quoi ça? Mais ça ne veut pas dire que MC One n'est pas fort, non. Il a fait des grands hits aussi, je respecte. Il a fait Africain, et c'est un artiste qui n'a pas de limite. Il va dans tous les sens, il va dans tous les styles, et vraiment bravo à lui, je félicite Kejevara, en tout cas son producteur. Voilà. Tu es de ma génération, par exemple, voilà, avec qui j'ai beaucoup de respect, mais n'empêche que je dis ce que je pense, tu vois ce que je dis. Voilà. Donc, arrêtons un peu les injures, les ceci, arrêtez un peu de dénigrer vos amis. Le rap ivoirien n'a pas besoin de ça, champion. Le rap ivoirien n'a pas besoin de ça. Vous avez fini de faire les freestyle, après rentrer dans le studio, composer les chansons. Voici clash musical. On dit le thème, c'est la drogue. Donc, vous aussi, vous allez faire comme les coupés de Galilée, les trucs, vous donnez le micro. Oui, la drogue, mon cher, vous allez parler comme. Vous n'avez pas aimé qu'il y ait l'idée d'esprit, même l'idée d'esprit de composer une chanson sur la drogue. En temps, vous avez fini l'écriture. Mais qu'est-ce que vous faites les punchlines, mon cher? Voilà, mon mari go, donc on va au mari go, les trucs comme ça, là, mon cher. Ouh, t'as vu les go, punchline. Nini, yonna. Punchline, nini, yonna, punchline. Vous vous réveillez, il faut vous réveiller. Le hip-hop ivoirien, là. Voilà, nous, on fait partie des personnes qui ont tracé la route. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, ne venez pas gâter le mouvement. Voilà. On fait partie, je parle dedans parce qu'il fait partie des précurseurs. Il fait partie des précurseurs. C'est pas un débat. Il ne fait pas un débat avec vous. Voilà. Avant moi, il y a eu des gens qui ont fait choses, mon cher. Moi aussi, j'ai écrit mon boulevard, même dans l'histoire. J'ai écrit mon boulevard. Voilà. Il y a plein là. Il y a plein là. C'est parce que là, il n'y a pas plus orgueil qui rappelle. Moi, j'avais voulu le connaître. Il y a plein. Il n'y a même pas besoin de parler. Quand je vous regarde là, vous regardez là. Vous êtes mon portrait craché. C'est dans moi, vous avez pris pour faire ce que vous faites. Mais quand vous avez votre orgueil, vous êtes toujours en train de dire, non, moi, il me s'est inspiré, du black, hein, moi, il va être en train de jouer, ouais, c'est jouer, c'est mettre des beats, c'est inventer des films, mon cher. Tu les vois, ils font les clips aujourd'hui, en train de s'inventer des vies, mon cher, des filles que vous pouvez pas toucher, vous mettez, mais c'est quoi tout ça? Frère, revenons aux vraies valeurs. On peut faire des beaux trucs, sans rentrer dans trop de choses. Et puis, j'accuse les médias qui en sont ça, aujourd'hui. Les gars sont en train de vous tromper, vous allez chanter n'importe quoi aujourd'hui. Oui, après les freestyles, mon message après les freestyles, revenons à l'essentiel du rap. Il faut dénoncer les choses. Moi, je suis pas en train de dire, moi, je suis rappeur politique. Ça, c'est moi. Je ne suis pas en train de dire un rappeur de faire de la politique. Non, c'est pas mon truc. Je dis, en revenant aux valeurs, dites des choses, chantez les choses, dans l'ambiance, dans le tempo, comme on le fait là, mais vraiment, dites des choses. Voilà, dites des choses, mais les histoires de, non, il a fait freestyle, donc il est le meilleur. Il est le meilleur rappeur qui, parce qu'un gars fait des freestyles. Parce que tu fais des freestyles. Donc, un gars qui jongle, parce qu'il jongle bien, il est meilleur que Drouba. Parce que si tu connais, il jongle bien, il jongle sa langue, il jongle ses oreilles, tu vas le comparer à Baki Kone. Ah! Est-ce que c'est la même chose? Donc, toi, tu as mangé d'autres, t'es pas au fou, t'es tête de mouton, t'es tête d'agouti, moi, c'est ceux qui viennent improviser, tu t'as bouté, moi, c'est, tu vas le comparer à chose. Là, comment on l'appelle? À l'unique, mais je sais pas qui, à Yodé Silo. Tu vas le comparer, le petit voyant là. Parce que c'est les freestyles qu'il faut, c'est ça. C'est ça qui est freestyle. Ils improvisent et puis bien, ils te disent des trucs. Tu vas le comparer au Yodé Siro, aux gens qui vont tuer, qui font des classiques, qui s'asseyent, qui composent des choses, qui font du bien à l'âme, qui restent dans le temps. Tu vas venir le comparer. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Quand tu parles, non, tu n'es plus inspiré. Moi, Billy, je suis plus inspiré. Va écouter mes chansons. Je suis plus à l'activité parce que je vis en Europe. C'est un choix. Voilà, c'est un choix. Bientôt, je vais rentrer. Voilà, c'est un choix. Et puis, il n'y a pas de débat. Je vais rentrer, puis il n'y aura rien. Vous parlez, il n'y aura rien. Il n'y a pas quelqu'un qui s'arrête pour dire non, tu m'as dit ça. Non, il n'y a pas, ok. Voilà, il n'y aura rien. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est un choix de vie, je suis là. Voilà. Mais n'empêche que je compte de la musique ivoirienne. Je compte de la musique ivoirienne, boulée même. Ce n'est pas un débat. Voilà, ce n'est pas de l'orgueil, mais arrivé un moment là. Il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter.
Faut arrêter, voilà, voilà, voilà. Faut arrêter, voilà. Arrêtez d'insulter vos amis parce que telle chose. Là. En tout cas, c'était vraiment pour ça. Je n'ai pas vraiment, j'ai pas voulu être long. Revenons à l'essentiel. Félicitations à MC One pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il fait, pour sa chanson Africa que j'aime bien, mon cher. Voilà. Que son RNB du là, t'appelles lui-même. Bon, d'accord, moi aussi, ton RNB du là. À la Benadine, voilà. Ton RNB du là. Moi aussi, j'aime bien, j'ai bien apprécié. Voilà. Donc, félicitations à toi. Voilà. Voilà. Et Lolo aussi, faut pas t'affecter par rapport à tout ce que les gens disent aussi. Ça, c'est rien. Freestyle, c'est rien. Tout le monde peut faire des freestyles. Comme tout le monde ne pas aimer les freestyles. Même, un jour, même t'as, il y a des jours où t'as pas inspiré, mais ta gamme ailleurs, mon cher. Voilà. Voilà, donc ça dépend, mais ça ne veut pas de toi et moi artiste que je voilà, moi artiste que l'autre, voilà. Voici un peu mon truc. Revenons à la base. Revenons à la base. Chantons les chansons, écrivons les textes, disons les paroles, donnons une direction à la jeunesse. C'est ça que la vérité. C'est là que le monde nous attend, c'est là que Dieu nous attend. C'est là que notre Dieu nous attend. Il y a beaucoup, pour la plupart, qui ont des parents chrétiens, des parents musulmans, des parents choses. Pourquoi ces valeurs-là, vous ne les mettez pas dans la musique? Vous êtes dans tout de choses, en train de parler des pères, en train de... Hé, réveillez-vous. Go freestyle. Big up, on est ensemble. Bonne mao.